dans le cadre de cette émission de Pêche blanche au doré, nous nous sommes rendus dans le nord du Québec, plus précisément dans la région de Chapais-Chibougamau. Un coup d'œil rapide à une carte nous permet de constater que cette région comporte de nombreux lacs situés en territoire libre. La majorité de ceux-ci abritent du doré et du brochet. Pendant nos deux jours de pêche, nous avons visité le lac Opatogamau et le lac David. Nous avons séjourné au centre de villégiature Marina-Chibougamau, situé tout près de la route 167, environ à une vingtaine de kilomètres avant la ville de Chibougamau. Stratégiquement situé sur les rives du célèbre lac Chibougamau, nous aurions pu aussi pêcher ce lac sans avoir à utiliser nos camions pour les déplacements. D'ailleurs, d'autres lacs sont accessibles en motoneige à partir du site. Il est intéressant de noter que le centre de villégiature Marina-Chibougamau est aussi tout près du sentier de motoneige Trans-Québec numéro 93. C'est donc aussi un endroit idéal pour les motoneigistes. On y offre un service de restauration, un service de bar et plusieurs chalets à louer. Les proprios sont sympathiques et très accueillants et fait non négligeable, on y mange très bien. Les chalets ne sont pas en reste, on y trouve tout ce dont on a besoin pour un séjour agréable. Que ce soit pour ses paysages hivernaux féeriques, pour ses sentiers de motoneige ou encore pour ses nombreux lacs à dorer, la région de Chapais-Chibougamau est un endroit unique à découvrir pendant la saison de pêche blanche. Et le centre de villégiature Marina-Chibougamau est l'endroit idéal pour établir son camp de base et profiter de cette nature grandiose.